Cavale, cavale. Eh bien, salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un quatrième let's play de Outlast. Donc je suis sur les terres de Martha, je dois sauver mon fion, comme tout au long du jeu de toute façon. Y'a que ça à faire, courir et échapper à la mort. On est parti! Merde, 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 merde. Je sais pas si elle peut rentrer là-dedans, autant je suis à l'abri. Ah tiens, il y a une note. Je vais pas lire ça. Hein. Elle est où cette vieille peau? Oh putain, un bandage. Merde, elle est pas loin. Un crochet pour soulever la porte. Oh putain, c'est ça l'objectif. La mine. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Oui, par la grille, par la grille. Putain, j'ai le palpitant à 20 000, quoi. Oh chier, c'est dégueulasse. C'est dégueu de chez dégueu.
Mais pourquoi je joue à ça, moi? Pourquoi je fais pas des jeux Peggy 7? Je pourrais pas faire des jeux Lego, des trucs dans le jeu. On peut sauter là-dedans. Ah, il y a une note là-bas. Oh putain. Martha, ma plus grande bien-aimée, mon chien de chasse, mon ange vengeur. Val a trahi Templegate, il a trahi Dieu, il m'a trahi. Cherche profondément au cœur de tout ce que tu détestes et transforme cette haine en violence pour punir ce purulent laisseur de porc d'apostat. Val doit souffrir et demander un pardon que tu refuseras. Val doit mourir dans les ténèbres, entièrement ignoré par l'amour de Dieu. Tous ceux qui ont rejoint Val doivent mourir en implorant un pardon que tu as purgé de ton cœur. Laisse Dieu être miséricordieux, tu seras la colère pure. Papa t'aime, Dieu te pardonne. Knot. Ouais, pose-moi ça, pose-moi ça. Accroché. Ça commence bien, j'ai le crochet déjà. Qu'est-ce que... Oh mais merde. Qui a fermé? Déjà, je vois pas de jambes. Et vos gueules, les mouches. Putain, elle est là. Oh, elle m'attend, merde. Et elle est plus là. Oh putain, cavale, cavale, cavale toi. Mais non, cavale, je t'ai dit. Vite, 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 fous le crochet, fous le crochet, fous le crochet. Cavale, cavale. Ah putain, merde. Ah putain. Oh le kick dans ta gueule, oh le kick dans ta gueule. Okay. C'est par où, c'est par où, c'est par où? Je déteste ce jeu, putain. C'est quoi ça? Je me suis fait blesser par un cactus, mais même la végétation, elle m'en veut dans ce jeu de merde. Deux secondes là, deux secondes.
Il y a une note, c'est bien, on va lire la note, on va lire la note. Hein. Putain, c'est encore une lettre pour la putain de taré là. Putain, j'ai échappé à Martin quoi. Alors, ma chère Martin, ma plus grande bien-aimée, ma compagne intime, la plus fidèle depuis ton enfance, je sais que ta foi est imparfaite, je sais que l'ancien ver du doute ronge ton cœur et fait couler les larmes sur tes joues. Tu crois que tes meurtres sont un péché, mais écoute-moi, comme je te l'ai dit, de toutes les façons possibles, tu serais dans le péché uniquement si tu n'agissais pas. Si tu n'enchaînes pas un chien enragé, n'es-tu pas responsable des enfants victimes de ces attaques? Si tu n'écrases pas l'araignée dans le berceau de ton enfant, n'es-tu pas responsable de sa morsure venimeuse? Si tu laisses un feu sans surveillance, n'es-tu pas responsable de tous les innocents qui seront brûlés? Dans tous les cas, la paresse ferait de toi une meurtrière. Tu pourrais ne pas lever le petit doigt et rester un terrible tueur aux yeux du Seigneur. Vois les choses comme ceci, chaque vie épargnée des disciples de l'ennemi qui est prêt à tuer et violer le monde entier est un meurtre par paresse. Car l'ennemi est enragé et venimeux et sa fin est infernale. Sois fidèle, enfonce le couteau, tu n'as besoin d'aucun pardon, car ce n'est pas un péché. Sache que Templegate a besoin de toi, sache que je t'aime et que Dieu aime Knott. Oh putain, arrête. Bon bah écoutez, on va continuer. Putain, j'arrive à la mine, je suis trop content. Ouhou. Et ben alors, ah, il y a un cadenas. Et comment on rentre dans cette merde là? Faut sauter au-dessus de la porte. Dans le lycée, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais pas là-bas, moi, va te faire foutre. Ah. Bonne pioche. Arrête de faire ça à la cam, s'il te plaît. Ah ben ça m'amène là où il y a les casiers, je me casse. Quand la cam elle fait ça, bordel. Le jeu du pendu. Comme Lynn et Jess aimaient jouer. L'autre moitié doit être quelque part. Jessica aurait laissé un pendu. Que Lynn pourrait trouver. De caméra.
très généreux de ta part. De quoi, c'est qui a parlé là? Arrêtez. Ben là j'en viens, bon ben on va aller poser le décalco, hein. Putain, je viens de te taper un sprint là. Ah, c'était pas ici. C'est là. C'est sympa comme tout. Qu'est-ce qu'il y a? Les lettres. Elles sont pas alignées. Ah. Mais... Oh putain. Impardonnable. Ça doit être ça. Impardonnable. Ok. Impardonnable et du coup, je me casse. Merde, c'est fermé. Vas-y, ouvre ta porte de merde là, s'il te plaît, mets un kill dedans, allez. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai la vue qui se brouille. Verrouillé. Ah, allez bâtard, allez bâtard. Ouvre-moi cette porte, ouvre-moi cette porte. Ah putain, mais je fais quoi? Ah comment ça se fait pas? Faut peut-être que je mette un bandage, moi, là. Je peux pas. Oh, putain. Oui, je vais recharger. Pile, c'est tout. C'est pas possible, il y a une issue, il y a un truc. Ah putain. Je peux tirer quelque chose, une... Ah, d'accord. Thank you.
Je suis revenu ici? C'est quoi ce bordel? J'étais déjà ici. Lâchez-moi, merde. Qu'est-ce que je filme là? Le pont. C'est quoi ces bruits? En même temps, je veux pas le savoir. C'est bon là. Oh merde. Oh, t'es sérieux? C'est pas trop loin. C'est pas si mal. Mais moi, je le traverse à quatre pattes, quoi. En faisant le cochon, même suspendu, mais j'ai pas de bout. T'es malade. Si mal. Détends-toi, détends-toi, garde équilibre. Lève pas la tête comme ça, là t'es. Putain, t'en veux des sauterelles? Qu'est-ce qui. Ok. Tombe pas, tombe pas. C'est l'apocalypse, hein. C'est les plaies d'Égypte le truc, quoi. Oh, putain, mettre la hauteur, quoi. Merde. On est tombé dans les sapins là. Il se passe quoi? Non, je veux pas descendre, merde. Fais plus de bruit, toi, putain, mais. On dirait que je vais faire le tour. Je peux me cacher dans les troncs. Grimper là. Non, je peux pas. Vas-y, c'était quoi ce mastodonte là, il y a deux secondes? On me dit de ramper, je rampe, hein, je cherche pas, bordel.
Ah putain, je suis obligé d'avoir la vision nocturne. Cette larve a pris ses bénédictions pour une maladie, a essayé de partir et je l'ai brisée. Ne répétez pas ses erreurs et ne commettez pas ses péchés. Dieu et son prophète vous aiment. Tiens, faut encore faire l'équilibriste. Oh, ça va, c'est pas pire. Il est parti où le Gollum? Il n'y a pas d'issue là, putain. J'espère qu'il y a un autre chemin. Oh putain. Putain, tu étais obligé de te faire mal. Ah non, c'est comme ça. Le chemin qui mène à la mine. Oh, y a peut-être pas besoin. Pas besoin de bandage. Bienvenue dans ce lieu de guérison spirituelle. Ah ben, bienvenue, ouais. Vous avez peur et vous êtes malade, comme vous devriez l'être. Et vous êtes rempli de honte, vous avez raison de l'être, car vous savez que vous ne seriez pas ici en l'absence de vos propres péchés. Mais je peux à nouveau vous rendre merveilleux et pur. Lorsque cette maladie s'est répandue pour recouvrir Templegate de sa croûte, Papa Knot, dans sa sagesse et sa bonté, l'a reconnue comme l'affliction spirituelle qu'elle était. Ne croyez pas ceux du monde extérieur, les malhonnêtes et les effrayés qui vous disent que vous êtes atteint de syphilis ou de gonorrhée, ou tout autre mensonge, c'est une maladie de l'âme, et seule la purge de votre âme vous permettra de retrouver votre santé. Restez vrai, restez obéissant envers Dieu, envers Papa Knot et en particulier envers Laird, son diacre. Dieu et son prophète vous aiment. Oh putain, il y a des mecs. Elle galeux, tu t'approches pas de moi là, je te préviens. Ou la galeuse, je sais pas, un des deux. Ah merde, y'a une pile là-bas. On sait jamais. Tiens, je peux sortir.
Oh mais dégage, merde. Ouais, je vais pas lire. Ah putain, c'est juste pour un papier, je suis venu là juste pour ça. Peut-être qu'il m'attaquera pas. Mais si je rentre par là, il va me pisser sur la tête, y a pas moyen. Putain, y'a plein de trucs là-dedans. Ah putain. Lui c'est pas un pote. Non, je veux me soigner, je veux pas regarder ça, putain. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Putain, encore un cactus de merde. Ben non, y a rien. C'est le feu. Oh putain, j'hallucine! Nous avons trouvé le Christ galeux. Commencez à trouver le Christ galeux, mais. Ça m'arrive dessus. Mmh.
C'est très proche. Ça se rapproche. Cavale, 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 cavale. Merde, merde, c'est pas par là. Cavale, je t'ai dit. Oh non, c'est pas... Putain, putain. Ici, Blake. Jess! Oh putain! Reviens! Sommes pas seuls. C'était fermé il y a 2 secondes, cette porte. Non? Même plus d'où j'arrive, merde. Qui c'est qui a vomi? J'ai loupé quoi? Putain, mais il y a tout bloqué là, tu veux que j'aille où? C'est au plafond encore. Moi ces tronches, ils font envie, hein. Utiliser? Père Porcari.
J'ai fait sortir Mademoiselle Gray de la classe d'éducation physique aujourd'hui afin d'avoir une petite conversation avec elle. Père Luttle Milch s'inquiète du fait qu'elle soit un peu trop sensible pour son propre bien. Et je n'en doute pas, pauvre fille, je sais que vous avez rencontré son père et sa grande personnalité, et ce qui est arrivé à sa mère est une véritable tragédie, que Dieu ait son âme. Quoi qu'il en soit, le père Luttle Milch pense que cela ne serait pas une bonne idée de laisser Jessica participer à l'excursion à l'usine de piano, et je suis plutôt d'accord avec lui. Elle présente les caractéristiques d'un enfant prêt à fuguer. En plus de cela, la signature de son père sur la feuille de permission est gênante, tant il est évident qu'elle l'a falsifiée. J'ai donc besoin de votre permission pour suspendre cette autorisation. Nous la placerons en étude à la bibliothèque pour ce jour-là. Shelley Parham, conseiller d'orientation. D'accord. Mais toi, ne pars pas, putain, la connasse. Étranglé. Putain, je suis où encore là? Oh merde! Non! Donnez-le-nous! Qu'on s'en occupe! Que Dieu et son prophète Nod soient loués! Dieu soit loué! Pardonne-moi, ouais. Seigneur, mais je dois en être sûr. Ouvre sa bouche, Nick. Oui, travaille. C'est bien. Monsieur, je t'en prie, que ce soit lui. Il n'a pas la marque. Il est le messie galeux. Fils de chienne fendue! Il n'est pas encore transubstancié. Il n'a pas encore vécu sa renaissance. Nous devons d'abord le mettre sur cette croix. Va chercher mon marteau et mes clous. Et allons sur cette colline. T'es sérieux, vous allez me crucifier? Il viendra amener sur les ailes des sauterelles, immaculé comme un nouveau-né. Il nous donnera son évangile. Les paroles sacrées de son enseignement. Il sera cloué à la croix, et mourra, et il sera enterré. Mais il ressuscitera, dans une chair plus parfaite. Et nous mangerons cette chair dans la sainte communion, et serons guéris de nos péchés physiques. Et nous irriterons cette terre brisée. Tu vois, nous avons tout préparé. Tout est prêt pour toi. Quoi? Ne faites pas ça! Je vous en supplie! Mon Dieu, où est ton évangile? Tu es censé avoir un évangile à partager pour nous guider dans notre salut après la vérité. Tes conseils, nous avons longtemps souffert en t'attendant.
Eh bien, mon vieux Nick, je crois que nous ferions mieux de planter ces clous. Attendez ! Attendez ! Attendez ! Bien, bien. C'était pas si mal, non ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Nick, donne-moi ça. C'est une caméra ? Ouais. Un enregistrement ? Bien entendu. Comment pouvais-je ne pas le voir ? Un Christ moderne utiliserait une caméra ? Pas un livre ? Voici notre évangile. Comment ai-je pu ne pas le savoir ? Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Il n'y a aucune souffrance que je ne mérite pas. Je suis un ver, une blessure béante, une petite merde. Je dois étudier ces enseignements. Plante l'autre clou et accroche-le. Tu es la lumière du monde. Tu es le chemin. Putain, j'ai mal pour lui, quoi. C'est des malades, mais c'est des malades. C'est des malades. Faut croire qu'ils nous ont pris pour Jésus, c'est con, mais on va s'arrêter ici, les amis. J'aurai eu ma dose d'adrénaline pour une heure de jeu. Donc pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. On se retrouve très vite, pas trop j'espère, pour la suite. C'était Loul 5100. Ciao, ciao, ciao!